Mbotenabino, vous êtes sur Ouragan FM avec sa rubrique Ouragan Musique. Émission Oyo Eye Panabino, OEP Sakabino d'informations sur Bartiste Nabino Sobolingaka. Et puis, et ce qui en a été, et ça la découverte, il y a un jeune artiste, un jeune talent, au Nyon Stubayeko Bimanaka, il y a RDC. Alors, Raphaël Mantangou à la présentation. Aujourd'hui, Toyambi Pipo Nabino, l'artiste RM Ngimbi, que tu redécouvres Nabino ensemble. Bonjour, artiste. Ouais, bonjour. Raphaël Matam. Alors, la santé, ça va? Ouais, ça va, santé normale. Santé déjà, donc santé c'est bon. Vraiment. Lelo, Banakine, Banapoto, Mukil Mobimba, on découvrir RM Ngimbi ensemble na Bango. Alors, RM Ngimbi, ce que vous expliquez, population et hôtel, on a une minute, ce que vous décrire, RM Ngimbi, Zanani. Ouais, RM Ngimbi, on a aussi présenté RM Ngimbi Azali, artiste et musicien, a bandi carrière naé, banda 2009, ti Azokoba, titre comme la ministre Salelo, dont nous artiste et musicien, pour découvrir Ngaï, Naba F, Nangaï, Nabakam Nangatou, à travers Ouragan FM, pour découvrir RM Ngimbi à Salarani. Alors, RM Ngimbi, genre et musique ni beta style ni au beta ouais RM Ngimbi aza basé na genre et musique R&B ou de bien afrobeat aza basé makasi na yango aglobi ba genre toi musique de makati wana. Alors revenons un peu à l'historique pourquoi ma musicien de nini mon parcours mon carrière non bref. Comment ça s'est passé, l'imitation, on a eu Botamika, on a famille encore normale, et puis du coup, Babi Missi artiste. Et ça, on a une DNA. Ouais, Raphaël, bon, ils ont un parcours mené, ils ont vraiment un parcours mené. RM Ngimbi Babandi, carrière musique, na eu dans l'église, dans la chorale, l'église catholique. Kazaki, en 2009, Abandaki, dans la chorale. Et puis, on a continué à travailler dans la chorale tellement. Et si je suis soutenu par le titre de la chorale, répétition soir, ou kétique soir, ou zonga soir, donc il y a nos simbati. Si je suis kata, la kata qui m'a fait la répétition, je continue à chic, et puis je suis en 2011. Donc on retient que RM Ngimbi vient d'une famille chrétienne. Oui, oui, chrétienne 100%. Alors, étant que chrétienne, ouais, pourquoi ouais. Continuer à nous faire la. Nkolodé, au bête en gospel, et me la ranzan bimba moko pour ni naosa RMB. Qu'est-ce qui vous a motivé? Premièrement, et l'autre motivé naï, na kote na musique RMB, c'est premièrement la komaka, la parolier, ton amour d'inspiration, en oye langa tellement yabanzim ou ya frobits, barumba, bajar, musique wana, ni na bête na se basika na yamou maman na kote na mou. Bon, on a commencé à monter. Il y a des artistes Oyo, Zouakawa. Il y a un texte qui est très bien, mais ils ont un peu bien tout arrangé. Ils ont travaillé, ils ont arrangé. Ceux-ci ont changé le texte de Bimba. Dans ça, ils ont appris un artiste Oyo. Ils ont appris un artiste Oyo qui ont travaillé en Bango. Alors, nous avons tout dans le domaine. Ils ont la BAMS. Ils ont fêté l'anniversaire, le joyeux anniversaire. Ouais, à vous contredire en été. À saluer puis joyeux anniversaire en été, na BAMS. Donc vraiment à vous contredire en été, même à ta comme le grand ingénieur le Azarape inspiré quelque part. Ouais, ouais. Un médecin également. Puis ce nion sur le domaine nion tout, tu seras toujours un modèle ou bien idole mon gobo. Alors RM Ngimbi na musique au de ça le lot. Na ni de motiver à peu ça l'ingouana au côté na monde na musique et surtout RMB. Bon, la musique, na ngai, pas motivant ngai, na kota na ngo, ils ont vraiment basé bélé. Basé bélé, parce que nga na
na zo ka be expiration na nga ya banzi ko nga na artiste de bele donc na artiste moroté na ka basé na ye na ka ka ye be expiration no ta pa na ite baza telmi bele so na bina no tanga bango nyo se bele bele ya wa donc tu y sala mo fo ani so tangi moko atam moko atam moko ka ka kum comme ça ouais ba fun na yo ba telo nda ku baza ta na mo image que non artiste ça inspiré quelque part fait ah, motivé au moins t'es que baza ibili sous on attend qu'il m'envoie ça là ou ça t'as mis balé comme ça ou équilibré t'as un mis balé c'est pas ça fait bah téléspectateur on a vu ça on a la vu ça ouais bah tout bah t'inspire un autre na carrière na musique ou na la nôtre na genre musique tout bande les colotis na scène rumba afrobeat tout à mélanger donc toujours on avait dit papa au fioul au midi quoi t'as quoi et puis c'est bambou t'es belé donc on a l'embarqué bien trop parce que il est vraiment bas texte n'aille pas sur le yo qui a mon pina au sentir pina t'es mon pina à koumaki donc à part rien à l'embarqué sous mon vieux fait rigola mon vieux fait rigola il est puis surtout il est puis au sentir ce qu'il a joué ma au sentir t'es mon pina joué ma l'embarqué sous donc basa frémi belé donc karma pas on veut karma pas donc fali poupa aigle donc là na donc moni moni sigo que c'est pel si Miriam Zola parce que ba monos ba ina besa ba yo ka tel temps à tel mois que au basa mon liboso quoi et ça lui plaisir à tout alors en musique est ton plus grand rêve rêve noise à rokoma niveau ni ndoto no o ya mneni na musique au contact vraiment que non il faut en réaliser telle chose. C'est quoi en fait? Donc mon rêve à musicien se arrivera à Bita na basala nini à sala atika ba titre nini na mboka donc ba ndolo bila ipe donc ba rêve na ngizala un jour ata so lelo na sate ba frère na ngitika la ko tika moi histoire moko boy na bato ba wesima ti artiste mo RM ngimbi pa existaka azala ki atika ka boy atika ka boy donc ya on a fait mon. Alors, les lots Oyo, RM Gimbi, à travers Ouragan, Ouragan FM, qui est le meilleur de l'info, dans tous les domaines, et là, il n'y a pas photo. Alors, on peut retenir quoi exactement de RM Gimbi? Qu'est-ce que tu peux retenir, Nayo, brièvement, pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Bon, pour nous voir brièvement, que RM Gimbi, Aza chanteur, musicien, Aza parolier. RM Gimbi va continuer de travailler. Ndimbonaye depuis banda depuis 2009 si tous allez le 2020 azo continuer de travailler. Donc bah aussi que là-bas tout bah fan tout au bah aussi la RM Gimbi bah est billeté na bah au bah découvrir donc bah aussi que là vraiment merci. En parlant de musique toujours tu as un groupe où évolue en dingenin. Yomoko, vous avez un orchestre, vous accompagnez Kayo. Comment tu évolues en fait? Bon, RM Gimbi, à Banda, on travaille dans le groupe. Vous avez travaillé dans le groupe moins dépendant. Il y a un outil, un plastel, un outil, plastel. Vous avez un bon travail, mais combien de temps vous avez? Vous avez un salaire qui est chez Ménaï. Pardon, vous avez un chemin. Puis, vous avez décidé de travailler dans le groupe. Vous avez travaillé seul. Et puis, vous avez mon vieux. Na pisi mo te bisika zali omba aza musicien quartier latin ve omba to za kini vraiment ba veni moko yeni mutu to no travailler ni faire moko en temps si so travailler na ye ya ki mo kam na ye puis nga bi continuer ma kam na mai pour le moment na za nga moko na travailler nga moko na na bato ba kompana nga ni répétition ni to travailler ka donc ni to RM ni mo travailler moko aza comme tout est alors jusqu'ici au sait déjà combien de titres aussi il y a déjà dans le marché aussi au PC public ouais RM Gimbi titre du bosso a mis ça 2015 a mis ça c'est qu'on attendait titre du bosso a mis ça comme single c'est qu'on attendait et comme c'est sous à 2018 mais après d'amour ils a featuring. Ils ont fait une bimine en tes projets. En cas si tu bombes bien, on a une couleur de bimissant. Tu continues à 2020 à l'année de bimissé. Ils ont déjà une YouTube, une plateforme et tout. Tu vas nous télécharger. Bah, on a un peu à peine sorti au bandit maman pour créer.
Raphaël, tu critiques déjà juste na koma kinzi mona par rapport ya ya makambo to vivre na mitsu na mboka na biso na Congo par rapport ya la réalité au tozo kuta na ngo tozo mona ndi explication ya kinga na koma c'est transi mona ba kozala bo mona lobi la mouf koma donc soki olandi nzi mbona olandi texte nzi mbona pina na kati au mona pina ki ti titre bendeza ya solo. C'est quoi le message principal na kati? Ouais, message ça qui est na pesi conseil na bato yo ba baluka kati ba travaille kati ba zila ka ba pesa bango ba tele mara na banzela ko singa donc na pesi message na pesi sous conseil na ba na bato ba linga kotonga bato avant na ko sala kati kotonga donc ba bloka bongo donc ça comme message na pesi na population et tout. Merci, merci beaucoup na RM Ngimbi. Alors ba programme ezali ouais, ouais, programme ba production moment... par rapport à agenda. Ouais, pour le moment ma production ils en ont noté. Pour le moment production ils en ont noté. Tout ça na carte il y a promotion il y a nzimbo. Pour le moment production ça te voit carte promotion nzimbo tout travailler kaka. Ceux qui bah information ils allent tout les cartes au pisse avant nous. Donc on regarde FM ils a awa. Donc pour ma formation tout bah rejoignons facilement. Mais pour le moment tout on a programme monté. Alors un message aux fans. Dernier mot par rapport à l'émission. Ouais, na pisi ba fan nanga tout, merci na oyo ba soutenir RM Ngimbi puis na ba oyo bazo kotanga toujours maboko bo limbati bo continuer au soutenir RM Ngimbi aza musicien aza chanteur na bino ba bloko ba benzali bo sepela au sepela nango bakata nzeti na mbali bo sute bo timbo mamoko yo lelo kata nzeto ya seke nzeto yo botana ba mebeli tete foti botali la mudi susu donc tout ça bablo et belite au bout de la banque. Ah voilà ce qu'on a mon équipe hein Nzela voyez monstre. Moi c'est un nga monstre d'amour. Mais c'est bien beau ici quand Zali monstre d'amour. Ouais là eclipse mon soso Yesu. OK bientôt tout ça pas na hukum na. Alors merci beaucoup na RM Ngimbi, j'espère que Zala soukaté quelques salutations 3-4 personnes. Ouais, na pisi ba remerciement na ngai na base mobimba ba soutenir RM Ngimbi. Artus Kalala, Archimène Kofo, Aristote Bapoma, on a conseillé dans l'offre, on a pu l'appeler ça, on a Makasi, Junior Bolingo, Nabusanité, Richie Tumba, Issa Songo, donc Bamoutou, on a pu l'appeler ça, on a pu l'appeler ça, on a soutenir l'amour à Moussika Zali, Docteur Trésor, Junior Mayomambeke, Skito Leader, ah oui, donc Atika Petit a été, donc Basé Bélé, donc Nabusanité, Donald Trump, Basana, Baz Moloka, Imobimba, donc. On peut saber, on a contact, ouais, ouais. Ouais, la PC sous son beauté, Souka yo ebika kandenge zalaka mon manager Fris Sido. Oui. Bienvenue Sido, inde muta osala RM Ngimbi matamale malem na PC ba mute bili. Donc Souka ibo nimbo contacter artiste RM Ngimbi bengi na +243 85 12 530 33 ou bien to bengi na +243 81 044 57 97 ozo RM Ngimbi. Donc ya osan mezati. Je remercie Pio Moko, les journalistes, Raphaël. Merci. Je remercie au fond de nous et sous une émission où il y a Ouragan FM. Donc, ça nous a vraiment plaisir à trop. Quant à moi, j'ai dit également merci à tous ceux qui nous ont suivis et nos costes apparents, patron, mon dire cap. On n'est pas encore, on s'est pas encore séparés. Alors, dans un instant, minute agenda. Dans l'agenda, et Sengel Liboué Baete, l'artiste José Nzita, a fêté 50 ans d'âge et puis 27 ans de carrière musicale. Le frère José Nzita vous invite à la place échangeur dans Ndenge Yalimete. Et puis, ceux qui ont été, José Nzita va se produire encore une fois dans Showbiz. Mais voilà, et ça, l'autre dimanche, il y a le 4 octobre 2020. Lui, c'est Gaz Fabulous, le tout puissant du rap congolais, invite. Bah, Meloman, on va faire une réunion sur le 27, dans le village de Temba, à Gombe, à l'occasion de son anniversaire, de 14h à X-Time. J'ai bien pu à papa chéri, Motopamba Yé, à Bengibino, dans l'espace chez Sébastien, le 27 septembre prochain. Alors, Félix Oise, quoi, quant à lui, a annoncé déjà, pour bientôt, l'article 23, volume 2, et Kobima, d'ici peu. Déplique Pomba Niance. L'album Stabilité, et ça, sous Yakou Melate, a commis la phase de tournage, de clip. Il nous promet la fin de l'année, et qu'on a déjà
plateforme Nyonso. Brandon Avatar depuis Paris, en France. Contre-attaque, maxi single, oh, but Nyonso Bazo Zela. Le 5 décembre 2020, Brandon Avatar, notez bien, Azo lancé Yango. Héritier Loukou Langimbi, alors, pour finir, plus de 20 ans aux côtés de Monstre d'Amour, lui c'est Eclipse Mososo Yesu. Azo préparé Electro Live Festival de Nyonso d'ici la fin du mois. Déjà, ils ont à peu près une acoustique, mais il y a un gosuma étant qu'animateur. C'était tout pour l'agenda. On se voit prochainement. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée, mais laissez-moi dire un grand merci au cordon Jean-Ric Moumandé, à toute l'équipe rédactionnelle de OuraganFM.cd, à l'équipe technique qui m'a accompagné jusqu'ici. Là, je vois Bams et Gilles Tolansa, Dubon Richard. Et là, je ne cesserai pas de remercier également la famille Massamba à Mimosa. Là, je vois Sarah Massamba et toute la famille. Et puis, Guilly Divita, ma base, ma vraie base à Remoyo. Merci pour le soutien. Cédric La Parole, Rachel Yaya. Depuis Paris, et là, je vois encore Guilly Divita, 3G Boy, Maréchal et nos costas. Merci, parents, patrons. On se voit à la prochaine pour un autre numéro sur Ouragan FM. Merci.